Oh putain, il a mis du temps à charger. C'est le boss? C'est quoi ce truc là? Pourquoi c'est... Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkman et bienvenue pour l'ultime épisode de Cluster Trek. Oh pardon, j'avais perdu mon casque. Alors, on est parti pour le niveau de l'enfer. Alors beaucoup de gens m'ont dit, ouais, faut que tu utilises des habilités et tout, j'ai 139 000 points et je m'en fous, je continue comme ça. Si vraiment on n'y arrive pas, ok, ça roule, je mettrai des habilités, mais moi je me dis que double saut, slow motion, ça devrait le faire. Bon, je suis pas chaud, et c'est parti. On est en enfer, ça va être le niveau le plus dur. Alors je crois qu'il y a peut-être un niveau encore après. Ah j'adore le truc de... Ah c'est trop bien. It's hard rock. C'est métal. Alors attends, ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est pas cool ça. D'accord, bon il faut se dépêcher alors. Allez on se dépêche, on n'a pas le time. C'est les niveaux finales. Alors on m'a dit qu'il y avait un autre niveau après. Alors je sais pas. Les enfers c'est peut-être qu'une partie. Putain j'ai les mains gelées. Hop. Hop là. Et hop là, voilà, on l'a passé comme ça. No problème. Aucun souci. Waouh, la falaise. La falaise. Oh, c'est quoi ce truc? C'est l'apocalypse. L'apocalypse est parmi nous. Mais c'est moi ou c'est que cette falaise devient de plus pentue? De plus en plus pentue. Pentue. Elle est pentue, couillu. Ah d'accord, c'est qu'en fait, après, il faut voyager sur la lave. Waouh, c'est hardcore. Waouh, oh putain, d'accord. Putain, c'est chaud. C'est chaud. J'ai essayé avec le PC à la souris. Alors clairement, je pense que jouer sur souris, en fait, c'est vachement plus simple. Mais... C'est mon côté arcade qui parle. Mon côté arcade, il aime bien utiliser une manette. Alors tant pis pour moi. Non, putain. Autant tout à l'heure, je l'ai passé. Là, mon gars. Waouh. C'est pas évident. Hein. On va y aller tranquillement. Oh putain! Waouh! Et clairement, j'adore ce jeu. Donc, c'est super que ça vous plaise aussi. Et puis, ça change de Minecraft un petit peu. Je sais que j'ai posé quelques questions à des personnes. Alors, attendez. Putain, j'ai sauté, mais c'était un peu trop pour la gravité. J'ai posé des questions à des gens comme ça qui regardent plus forcément la chaîne. Qui disaient: bah écoute, tu fais trop de Minecraft. Bah écoutez. Je me suis dit, bah ouais, mais j'aime bien les autres jeux aussi, j'ai d'autres choses que j'ai envie de faire découvrir aux gens. Alors c'est cool, et il y en aura d'autres. Mais bon, faut que je trouve des jeux qui me plaisent, parce que parfois quand je fais que du Minecraft, c'est qu'il n'y a pas forcément un jeu qui va me plaire plus que l'autre. Il y a Rocket League, mais Rocket League, j'ai pas encore trouvé ce que je peux faire pour que ce soit marrant. Waouh. Oh, what? Mon perso s'est cassé la gueule. Putain, on voit plus rien, quand on arrive dans la lave, on voit plus rien. Pas évident ce niveau. Hop, le jump... Jump de l'infini. Non. Ah. J'ai oublié d'appuyer sur le slow motion. On the slow motion. Slow motion. Yes. Oh putain, c'était pas facile. Pas facile. Ah, une route plus classique. Avec des croix de l'apocalypse. L'appel de l'antéchrist est présent. Oh, je suis derrière un camion. Hop là. Ok, j'ai le droit d'utiliser ça. Oui. Tant que je peux utiliser ça, moi ça me va. On va essayer de se réceptionner là-dessus. Wouh. Ah. Ah. Waouh. Les cloches de l'enfer du jugement dernier. C'est chaud. C'est chaud. Alors là, quand c'est comme ça, voilà, t'as pas le time. Oh non ! Oh putain, c'était tellement proche. C'est ça en fait, faut y aller. Il faut y aller à la vitesse. Nickel! Nickel, la suite. Alors, il y a d'autres niveaux après, hein, apparemment. Oh, il y a des pics. Wow, les camions, ils font des tonneaux! C'est quoi ça? Ils sortent de dedans, ouais. Alors, les trucs se cassent la gueule trop vite.
Wow. Ah ouais, la fin c'est chaotique de ouf. Faut se dépêcher. Hop là, voilà. Oui. Et voilà, bim. Next level. Dans ce jeu, de toute façon, on apprend rapidement que si tu vas très vite, ça marche bien. Oh putain, il y a des croix qui tombent par terre. Et voilà. Tant que tu vas super vite, même s'il y a les croix qui tombent par terre, tu te fais pas avoir. C'est vraiment la technique en fait. Pas besoin de faire beaucoup de freestyle ou de choses comme ça. Les camions empalés, genre, tu sais, tu dois être triste, tu dis, oh, les camions sont empalés. Oh mon dieu. Ah yes. Nickel. Waouh putain. Waouh. What? C'est quoi ce piège là? Des roches qui s'ouvrent. Hop là, la réception. Oh putain, c'est pas évident hein. Il y a les pentes, il s'est pendu couillu. Hop. Waouh, hop là, c'est bon, nickel. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Je vois plus rien. Je ne vois plus rien. C'est vraiment, t'es tellement concentré sur le sol. Ah, mon double saut qui m'a trahi. Ah, y a plus rien après quoi. Après, tu peux attendre aussi. C'est toujours ça. C'est que moi en fait je... Oh putain, ce bordel. On peut attendre aussi. C'est vrai que je suis impatient mais... Je pourrais très bien dire bon... Ouais, j'ai pas le time, moi j'ai pas le time. Toujours pas le time. C'est bon, gauche. C'est bon. Oui, on se fait éjecter. Waouh. Oh putain, mais cette pente là, comment elle est dure à aborder? Voilà. On y va tranquillement. On laisse les camions faire. Voilà. Non, putain, j'avais pas pressé de vitesse. Allez, plus de vitesse. Plus de vitesse, on a dit. Plus de vitesse. Oh, trop de vitesse. Toujours, à chaque fois, j'arrive jamais à trouver l'équilibre, moi. Ok. Voilà, regardez, il m'attend gentiment, sagement. Il était là que pour moi. Avec la musique, c'est stylé quand même. Hop là, voilà, nickel, pas de problème. Next level. Putain, on arrive déjà à la fin? Mais what? On m'avait dit que c'était dur. Oh putain, la roue des enfers. Je sais pas ce que c'est que ce truc, mais... J'ai vraiment pas envie de rentrer dedans. Wouh! C'est bon, nickel. 9-9. Bon, c'est le moment où il y a toujours un petit truc qui coince. Pour l'instant, j'ai rien qu'à coincer spécialement. Je l'ai même fait beaucoup trop vite. Bon, ça va, ça fait 10 minutes. Waouh, ok. J'ai pas pris le bon élan après. Sur les chaînes des enfers. Ça me fait penser un peu dans un univers un petit peu à la God of War quand t'arrives dans les enfers. Même si bon, on s'en éloigne, mais c'est les chaînes. Surtout les chaînes. Ces chaînes-là me rappellent toujours les chaînes des enfers. En fait, tu peux laisser le camion comme ça, tu fais hop, tu prends l'apéro et tout. Tu dis, oh, ça va, ouais. Il arrive quand le camion? Ouais, bah, pas de problème. Et voilà. Waouh, j'ai failli me... Attendez, hop, je rectifie le tir. Waouh, alors ça, c'était pas forcément prévu. Donc du coup, là, on va se dépêcher. Voilà. Et voilà. Next level. Oh putain, il a mis du temps à charger. C'est le boss? C'est quoi ce truc là? Pourquoi c'est... Wouh! D'accord, c'était bien ça.
Donc là, là par contre, tu peux courir. Ok, merde, je suis mort. Ok. D'accord. Ok. Le boss. Ok, j'ai fait n'importe quoi. Alors là c'est dur parce que vous voyez, avec la souris, on va pouvoir faire le mouvement en une fois. Et moi, je suis obligé en fait de recaler mon joystick à chaque fois pour le faire. Donc il y a plus de challenge en fait là-dedans. Fait des cris, ça fait flipper. On fait quoi après? What the fuck? Ça monte et après qu'est-ce qui... Oh, il y a des camions. Ah, je viens de voir, il y a des camions sur son bras. D'accord. On va faire quoi exactement? Ah, il faut sauter jusqu'à ça. D'accord, ok. Donc le mieux c'est d'aller jusqu'au bout. Je pense que le mieux ça va être d'aller quand même jusqu'au bout du truc. Parce que là avec son marteau je vois pas comment je vais pouvoir arriver à sauter dessus. Sauf si on arrive au bout. Voilà, et qu'il met une grosse massue. Et voilà, et à partir de là. Voilà, à partir de là c'est bon. Et là, là il frappe. Là il arrête les trucs. Les camions sont arrêtés. Faut pas que... S'il bouge, je suis dans la merde. Je sais pas comment il va faire ça. Oh putain, il faut pas toucher les bords en plus. Eh ben, allez. Ouais, là tu frappes. C'est le moment où tu frappes. C'est le moment où il faut se dépêcher, mais pas trop. Genre là, là on peut courir, sauter sans forcément se manger. Voilà, parce que ici moi, sinon je vais me casser la gueule. Ok. What the fuck? C'est là. On va y aller en slow motion. Parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille après. Il faut que j'aille où après? What? Il y a bien une fin. Là, j'arrive en haut, qu'est-ce que je fais? Ah, c'était quoi ce truc vert? C'est pas ça. C'est ça là. The fuck. Ah, faut le taper plusieurs fois et en plus il y a des lasers après. Waouh. Je rage là. Laisse tomber. Ces bugs là, putain, c'est chiant.
Allez. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qui se passe après? Oui! Oui! Pardon. J'ai niqué le jeu! Ah! Oh, c'était fini. Je préférais... Oh, putain. Waouh! Bon, ça, il fallait le faire que deux fois... Ces bugs pétés m'ont fait rager. À la fin, waouh! Il m'aura fallu 20 minutes pour terminer la fin. Allez, 20 minutes. 20 minutes, c'était. Fou. On devait y avoir d'autres niveaux normalement, mais waouh! Oh la vache! Putain, ce truc qui tourne avec les joysticks, c'était vraiment mon. Bah, la pire quoi. Tu sais, avec une souris, tu continues avec ton. Même en tournant, tu continues de regarder et tout, donc ça va, mais alors. Pfff. Ma tête, en plus j'ai un mal de crâne ce matin, alors ça va pas aider. Thank you for playing. Ah mais j'ai pas fini de te play toi. Hein. Parce qu'il y a des custom maps, il y a des trucs. Hein, et dans mes abilities, bon j'ai 151 000 points. D'accord. Et alors si tu fais campagne là, il n'y a pas un niveau secret caché genre. Pas de niveau caché. Et alors il y a des custom maps qu'on peut avoir. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cet épisode, mais il y aura des custom maps, hop, tu te calmes le micro. Il y aura des custom maps, je pense, que je ferai, parce qu'il y en a plein, il y en a plein à découvrir, et du coup ça peut être des bons challenges en tout cas. Bon, ça s'est bien passé au final, hein. Franchement, la fin, c'est juste que j'ai mal au crâne, mais bon, 20 minutes, parce que j'ai mal à la tête là ce matin. Mais sinon, clairement, franchement, ça s'est passé bien quoi. On n'a pas changé d'habilité, on a gardé notre double jump avec notre truc qui ralentit le temps et ça s'est très très bien passé. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à laisser un maximum pouce bleu pour le boss que j'ai explosé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures d'action de fin de faille et de folie. Ciao à tous et à la prochaine.